Coucou tout le monde, je fais cette vidéo pour garder un souvenir de mon premier swap de ma vie avec une copine. Donc ça fait longtemps en fait que je voulais faire un swap parce que je voyais pas mal de vidéos sur YouTube, tout ça. Après je voulais trouver une personne en qui je pouvais avoir confiance un minimum. Et puis bon, la personne idéale pour moi en fait s'est avérée être une de mes meilleures amies, une de mes plus vieilles amies depuis à peu près 10 ans, donc on a plein de goûts en commun, on se parle tout le temps, on a plein de petits secrets entre nous, des délires, tout ça, on s'entend vraiment bien. Du coup, je pense que c'est vraiment la personne idéale. Du coup, mon anniversaire est en mai, le sien est en juin, donc on s'est dit, moi, c'est un gros swap pour nos anniversaires. Donc j'espère que le sien lui plaira. Moi là je suis trop pressée de l'ouvrir. En plus j'ai jamais fait de swap de ma vie. Donc du coup on va commencer. Alors, hey ma biche, j'espère que tu vas bien en ce jeudi 2 juin. J'ai galéré à tout emballer, alors déballer avec grand soin MDR. En espérant que tout te plaise. Hâte de voir ta vidéo en tout cas. Moi je sais pas si j'aurai le temps ce soir, même si je meurs d'envie de tout ouvrir. Parce qu'elle travaille ce soir. Donc là il y a le menu. Je pense que je vais pas ouvrir tout dans l'ordre, en fait je vais piocher et ouvrir parce que sinon je crois que ça va me mettre 3 jours. Du coup voilà. Alors. Numéro 17. Habiller tes clés. Bon, habiller tes clés. Ça va être un porte-clés. Rose. Ma couleur préférée. Un petit pompon de petites pétasses, c'est trop mignon. Voilà. Oh j'adore, bah, ça c'est trop bien. Anti-stress en plus à moitié. C'est trop chou. Ensuite je vois une grosse boîte là, ça m'intrigue là. En plus j'adore les cadeaux. Regardez-moi ça, London New York. Alors le numéro 8, c'est belle démarche assurée. C'est des chaussures. C'est ouf. Elle m'a dit de déballer avec soin. Pardon Laurine. Ne m'en veux pas. Des chaussures. Oh là putain. Oh putain. Oh, elles sont trop belles. Oh là là. Putain. Et putain, mais j'ai vu des chaussures comme ça là il n'y a pas longtemps. Enfin. Je les ai même mis en Snap Story et tout. J'ai vu des chaussures comme ça et tout à mon cousin, avec mon cousin et tout. Oh my god, elle est trop trop belle. Oh là là là. À sortir mon cousin. Oh putain, bah là, tu m'étonnes, belle démarche assurée. Non mais là, ça va me faire des jambes de biche. Putain, elles sont trop belles. Non mais. Oh, c'est trop cool. Ah, ensuite, alors attends. Je sens que ça va être le bazar autour de moi d'ici 2 secondes. Oh, putain, elles sont trop belles. Là, les chaussures, là, attention. Alors, numéro 13. Ooh. Grand enfant. Grand enfant. Grand enfant. Oh! Trop mignon. Une mini. Ah là là. J'en connais qui vont être jalouses là sur Instagram. C'est trop mignon, oh, trop chou. Grand enfant, ça c'est clair. En même temps, elle me connaît. Trop cool. Putain, et j'ai l'impression qu'il y en a encore. Enfin, bon, ici, il y en a encore plein en fait. Il y en a 26 petits trucs. Et moi, c'est pareil, j'en ai mis 26 petits trucs. Alors, 25. Ton chanteur préféré. Ah. Bon, on va devoir écouter. Alors, mon chanteur préféré, c'est peut-être Calvin Harris. Mais vu que c'est un DJ, des fois, je sais pas si c'est mon chanteur préféré ou pas. Enfin, c'est mon chanteur préféré, je crois. Mais il y en a peut-être un autre que j'ai pas en tête. Parce qu'elle a dit chanteur. Alors elle a dit chanteuse, c'était Britney, mais là. Bon bah on va bien voir. Hein. C'est trop cool. J'adore que ça te fait du mystère là, j'adore. Et là en fait, ça se trouve, c'est une vidéo top secrète et tout. Je vais finir en prison et tout. Voilà.
Je viens trop plus belle la vie. Ceux qui viennent plus belle la vie comprendront. Alors, numéro 11. Le pastel pour les beaux jours. Le pastel pour les beaux jours. Le pastel pour les beaux jours. Je mets du pastel pour les beaux jours. Attends. Pour les yeux ? Non. Attends, du pastel. Du pastel. Oh, il est trop... C'est trop joli, c'est quoi ? C'est un bijou. Oh oui, putain, ils sont trop choux, là. Eh, mais en fait, depuis tout à l'heure, je ne montre pas bien, je crois. Les... Si, je... C'est des boucles d'oreilles. Oh non, mais elles sont trop choux. Regarde. En plus, c'est du rose. C'est ma couleur préférée. Et doré, j'adore le doré. C'est trop chou. J'adore. Juste pour mettre les trucs. Ensuite. Alors, numéro complémentaire. Numéro 26. Si on a un été, tu pourras le mettre. Sachant qu'on habite en Normandie et qu'on est le 2 juin et qu'il fait actuellement froid. On croise les doigts. Mais là... C'est mal barré. Été 2016. Oh, un short. Ouh. Elle a de trop bonnes idées. J'adore. C'est une taille M et une taille S. La vendeuse m'a dit. Elle est trop mignonne. Ah, ils sont bons en plus, là. T'as mis du parfum dessus ou quoi? Oh merde, je mets du rouge à lèvres. Non, c'est bon. Elle a mis du parfum dessus pour que je tombe amoureuse d'elle. Je suis sûre. J'adore. Donc je me dépêche un peu parce que comme je sais que... Il est quelle heure là? 06. Non, ça va. Parce que comme je sais que YouTube coupe les vidéos... Numéro 23. Toujours de la protection. La protection? La protection hygiénique? Non. Oh, c'est encore mini! Il y en a vraiment qui vont être jalouses, moi je suis sûre. Elle est trop chou. Ah, comme... En plus, je voulais m'acheter des coques, j'en ai que deux. J'ai celle-ci. Et j'ai une autre aussi, mais... Là, maintenant, j'en ai plein. C'est trop cool. Mes cheveux me fatiguent. Hop, je me suis coupé les cheveux hier. Je raconte trop ma vie, on s'en fout. Et du coup, je suis pas habituée à avoir une mèche. Du coup, qu'est-ce que c'est cela? Numéro 24. Retiens-moi au jus pour savoir si cette marque est bien. Ok. Donc déjà, c'est une marque qu'elle connaît pas si elle dit ça. Oh, trop cool. Ah non, mais là par contre, c'est trop bien. Un rouge à lèvres liquide de Anastasia Beverly Hills. Oh, la marque, elle est pas encore sortie en France. Elle sort que en août en France à Sephora. Et c'est le rouge à lèvres liquide là que tout le monde voit partout quoi, qui c'est trop à la mode. Oh, putain, en plus la couleur elle est framboise, j'en voulais trop un rouge à lèvres framboise. Non mais là il est trop trop beau. Oh, putain, mais tu me connais trop par cœur, ça fait pitié, ça fait peur. Cette fille elle me connaît trop, ça fait peur des fois. Et on a trop les mêmes goûts. Exemple, samedi on est sorti sans en parler avant de comment on allait se mettre. Et on arrive en boîte, on avait toutes les deux... Un maquillage gris et noir, et du rouge à lèvres rouge, et un body. Non mais là, c'est un truc de fou quand même, pour montrer qu'on est connecté. C'est un truc de fou. Putain, non mais là, il est... Oh, il est trop beau, non mais... Oh, en plus, j'en voulais trop un hein, et tout. Putain, je suis pas contente, elle est trop mignonne. Ceux qui me connaissent pas vont se dire, c'est quoi cette meuf? C'est pas grave, hein, de toute façon, c'est un souvenir, ma vidéo. Bonjour à ceux qui regardent. Hein. Numéro 12. Marque arrivée récemment en France. Marque arrivée récemment en France. Tony Moly. Mais je crois pas. Ce Tony Moly, c'est des petits trucs. Oh, putain, la tarée. Et j'en ai parlé tout à l'heure en plus qui coûtait super cher et tout. Oh, c'est le mascara unique. Et je voulais l'essayer et tout, mais je trouvais qu'il était vraiment super cher en fait. Putain, et mes tarés par contre là. Oh, il est trop beau. Là par contre, franchement, les sous là, on va se calmer. Putain, il est trop... Putain, non mais là, je suis trop vulgaire. Oh, c'est trop cool. Et mais j'en ai parlé, c'est fou, je l'ai vu cet après-midi. Je lui ai dit, ouais, le mascara unique et tout, c'est pas connu et tout, c'est super cher, j'ai envie de tester et tout, ça fait chier et tout. Bah là, c'est trop bien. Oh là 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 là. Putain, je suis trop gâtée là par contre, franchement, quand je vois encore ce qui reste... Oh là, c'est la folie. C'est Noël. Franchement, ça me met trop de bonne humeur. Je suis trop contente. Oh,
Putain, merci. Mais t'es folle quoi là T'es folle quoi? Punaise. Attends, je suis trop contente quoi, on a un truc de fou. En plus, c'est des trucs, je voulais vraiment tester, mais comment laisser tout celle-là? Ça, c'est une code de téléphone, non? Ouais. Souvenir d'une année de ta vie. Donc, tout de suite, je sais de quoi ça parle. Ça parle de l'Australie. Je suis partie une année en Australie et c'était juste la meilleure année de toute ma vie. J'en parle tous les jours quasiment. Et c'est le rêve de ma vie, c'est tout simplement de retourner là-bas. Donc ça va être sur l'Australie. C'est obligé. Ok d'accord. Ok d'accord. Ah, c'était sûr. Oh, elle est trop stylée. Australie, Australie. Oh là là, j'ai le foulard et tout. Oh putain, alors là je suis trop stylée. Australie, c'est à jamais dans mon cœur. Ouais. Ça me fait trop plaisir. Trop merci. Trop cool, je suis trop contente. Il y a plein de bazar partout. Wouh, c'est Noël. Le numéro 21. Bon, c'est gros. Mélange d'une marque qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aime? On aime tout. Qu'est-ce qu'il m'a acheté? Par contre, c'est marqué Lorraine. Oh, trop cool, c'est quelque chose d'Yves Rocher. Eh, mais elle est folle, putain. Punaise, je suis super vulgaire. Yves Rocher. Bah oui, on adore Yves Rocher. C'est des trucs qui sentent bon et tout. C'est trop cool. Ça rentre? Oui. Lorraine. Je m'appelle Lorraine, elle s'appelle Laurine. C'est trop cool. Alors, Yves Rocher. Alors là, je connais pas. C'est trop cool. C'est un nouveau truc, je pense. Comment on ouvre? Ah, d'accord, comme ça. Oh, ça doit être une nouvelle collection. Donc, le gel douche. Oh, cerisier en fleurs. Oh, j'adore les odeurs comme ça. Oh, trop cool. Avec l'eau de toilette. Le petit porte-monnaie. Oh là là, le lait pour corps. Oh là là. J'adore. Oh, je suis trop fan. Attention, j'ai déjà les ongles morts. Oh là là, je suis conquise là. Oh, ça sent trop bon. Et je connaissais même pas cette collection Yves Rocher. Un matin au jardin, cerisier en fleurs. En plus, c'est rose. Et ça sent trop trop bon. Oh punaise. Oh là là. Et ça sent trop trop bon. Vraiment là, je vous conseille. Oh, elle est trop mignonne. C'est trop cool. J'ai trop de hasard. Ouh. Bon. Ok, ok. Tout tombe par terre. Ensuite, on en est. Oh, elle est folle. Numéro 16. Toi qui voulais les tester. Je voulais tester. Attends. Ah, il est l'heure. Il est l'heure. Attendez, c'est une alarme. Hop là, pardon, pardon. C'est la fin de cette vidéo. Non, je rigole. J'ouvre celui-ci, je vais couper la vidéo, je ferai une suite. Ah, ça y est, je m'en doutais que c'est ça en fait. Toi qui voulais les tester. Les masques de Sephora. Je m'en doutais en fait, mais j'étais pas sûre, du coup je vous ai pas le dire. Oh, punaise, elle m'a acheté 7 masques Sephora en tissu quoi. Et je voulais trop les tester. J'ai même mis sur Instagram. C'est des masques en tissu, oh, c'est trop cool, j'adore ça en plus. Mais oui, je voulais les tester de fou. J'en ai parlé sur Instagram, en plus il y a pas très longtemps. Sur le challenge. De blabla Leïla. Il disait je veux tester et j'ai pris ça. Oh, elle est trop folle, mais elle est folle. Bon, je vais faire la suite de la vidéo du coup dans une deuxième vidéo. Parce que du coup, comme c'est marqué sur YouTube de pas dépasser 15 minutes, sinon faut une autorisation spéciale, blablabla, bref, je m'égare. Du coup, la suite après la pub. Bisous.